pas encore entrés. Faut que je les atteigne en premier. Aussi depuis les limbes. Où est-ce que vous êtes ? Ça les tient en respect. Bien joué, Kat. Hé ! Par ici, espèce de sieur !
sale lâche. Tu m'entends? Je dois d'abord la rejoindre. Vas-y, tiens, calé à distance. T'es là ? Sauve-toi ! Ils envahissent les lieux ! Bordel ! Y a personne qui m'entend ? Merde ! Ça grouille par ici. J'espère que Kat va bien. C'est quelqu'un face au pion. C'était quoi ? Putain, mais pourquoi tu souris ? À nous deux, connard.
Kat? Kat! Dante! Je suis là. Je sais pas quoi faire. Où est Virgile? J'en sais rien. Il est sûrement dans la salle des serveurs. L'octogone, mais il pourrait être dans les limbes. Comment on le rejoint? Je sais pas. Je suis coincée ici. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à sortir? Réfléchis! Il y a peut-être un moyen. Je vais te guider. Il doit y avoir un vieux tunnel par ici. On pourra peut-être sortir grâce à lui. Il nous faut une autre charge. Ils arrivent. J'ai une idée. Je suis coincé dans les limbes. Je peux pas les arrêter d'ici. Bien sûr que si. J'utilise le spray et tu fais tomber le plafond. Ici, maintenant tire-le. Encore une fois. Ok, même principe. Dépêche-toi. Ça va? Ouais. Allez. Allons-y. Tu sais où ça mène? Je connais cet endroit comme ma poche. Allez! Viens, c'est par ici. Pourquoi est-ce qu'il tue tout le monde? Les terroristes, tu viens? C'était mes amis. Je me sens pas bien. Nous verrons ça. Mais on doit d'abord trouver Virgile. Par là. Virgile est piégé dans les limbes. Il est en danger. Hé, toi! Dante,
T'es fou, qu'est-ce que tu fais là? Je te sors d'ici, frérot. Merci, Dante. Kat, tu es vivante. On peut sortir d'ici? Oui, je te montrerai le portail d'urgence. On y va? Non, pas tout de suite. Quoi? Il y a des terraoutés, deux données sensibles qu'on ne peut pas laisser ici. Et alors, on s'en tape? Tu plaisantes? Ils connaîtraient nos plans. S'ils s'emparent de ces données, tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'aura servi à rien. Kat, oui. Enclenche l'autodestruction. Je ne peux pas le faire depuis les limbes. Oh, ils arrivent! Les démons seront bientôt là! On n'a pas le temps pour ça! Alors gagne du temps! Tu fais chier, Berger! Vas-y, Kat! Ce sera pas long, Kat, je t'aiderai. Il vous faut combien de temps? Pas longtemps. Une ou deux minutes. Ok, lance le système. Dante! Ça pourrait aider. Génial! Vous en êtes où, là? Encore deux minutes, Dante. Virgile, je peux occuper les démons aussi longtemps que tu veux, mais je peux pas protéger quatre des fédéraux. Grouille! J'ai compris. Deux minutes! Suppression des données achevée à 45%.
Ne dis rien. Deux minutes. Tout est prêt. Laissez-moi une petite minute pour prendre tout ce que je peux sur les serveurs. Tu la mets en danger. Séquence de détonation automatique en cours d'armement. Ça se présente mal. De détonation. Ils sont pratiquement là. Allons-y, Dante. Attends. Quoi? Et elle fait quoi, Kat? J'ai aucun moyen de m'échapper. On ne peut rien pour elle. Allons-y. On peut pas la laisser. Réfléchis, Dante. On est dans les limbes, elle est dans le monde réel. Cet endroit va bientôt partir en fumée. Il a raison. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour elle. Par devant, je te rejoins. Dante, donne-moi une seconde. Écoute-moi bien, on n'a pas beaucoup de temps. Mets-toi à genoux. Mets les mains en l'air. Et surtout, reste immobile. J'ai peur. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Essaie de tenir aussi longtemps que possible, d'accord? Je te promets que je reviendrai te chercher. Ne tirez pas! Non! Merde! C'est pas encore fini. Dis son nom. Dis son nom. Vergil. Vergil, je ne sais pas qui tu es, ni pourquoi tu as été assez stupide pour t'en prendre à moi. Mais je sais que cette fille tient beaucoup à toi. Donc j'imagine que toi aussi tu tiens à elle. Je sais également que tu collabores avec le Néphilim. Je veux le Néphilim. Tu veux la fille. Une fille en échange d'une autre. Intéressant. Intéressant. Mundus en sait encore moins que ce que je pensais. Il connaît seulement mon nom. Il ignore que je suis ton frère et un Néphilim. Elle a dû être forte pour ne rien dire. Ouais, elle a tenu bon. Mais on ne peut rien faire pour elle. Comment ça? Tu ne crois sérieusement pas que je vais échanger ta vie contre la sienne? Non, je dis pas qu'on devrait... Tu es mon frère et la clé de la destruction de Mundus. Non, je dis pas qu'on devrait faire cet échange. Il faut en proposer un autre. Kat contre sa maîtresse Lilith. Pourquoi Mundus s'inquiéterait du sort de cette putain? Parce qu'elle porte son enfant.
Quoi ? Comment tu sais ça ? Quand j'étais à la tour, j'ai rencontré un démon nommé Phineas qui me l'a dit. Il servait notre père. Oui, je connais ce nom. C'est incroyable. Capturer l'enfant, un être de Mundus. C'est pile ce qu'il nous faut pour le faire sortir de son antre. Non, c'est pile ce qu'il nous faut pour sauver Kat. Dante, c'est de la folie. Tu risquerais le futur de l'humanité pour une fille? Kat a vécu l'enfer pour nous protéger. On trouvera un autre moyen de pression. Dante. Il n'est pas question de l'abandonner. Ouais, je vois ça. Très bien. Comme tu voudras, mon frère. Voilà. Lilith, l'amante de Mundus, elle dirige un club très sélect en centre-ville. Sportif célèbre, fils à papa, banquier, ce genre de clientèle. Les substances démoniaques coulent à flot. Les pauvres types deviennent accros et finissent en serviteurs des démons. Hé, hey, elle sera là ce soir. T'entre pas, mon vieux. T'es pas sur la liste. Maintenant, si. Viens danser!
Le champagne, les paillettes, les filles, où est-ce que tu es là pour cette pauvre petite fleur décharnée? Dis-moi. Je suis venu pour toi, Lilith. Alors ramène tes fesses ici. Ce serait avec plaisir, Dante, mais comment dire? Tu n'es pas digne de moi. Bonsoir, mes belles créatures. Humaines ou autres. Nous avons une surprise pour vous ce soir. Le Night Club se transforme en Fight Club. Le show le plus court. Oh, c'est mon club ici, et on joue selon mes règles. Bienvenue là! Le démon a un incroyable talent! C'est simple, Dante. Si tu survis, je daignerai t'accorder une audience. Autrement dit, je m'occuperai moi-même de t'exposer la cervelle. Si tu échoues, alors toi et ta petite cuisse, vous êtes mort. Il paraît que tu as en toi les pouvoirs des enfers et du paradis. Voyons voir ce que ça donne. Commençons si tu veux bien. Le premier round devrait être du gâteau pour un homme aussi utile que toi. Round 1. Voyons si tu as. Tu as 30 secondes pour achever mes misérables serviteurs. J'attends. Et c'est parti. Round 2.
Thank you.
ramène ton vieux cul tout fripé ici. Très bien. Très bien, mon petit. Je suis d'accord. Alors, finissons-en. Immédiatement. Round 6, fight! À ton tour, Barbie. Oui, c'est exactement l'occasion que j'attendais depuis si longtemps. Allez, bébé, faisons la fierté de papa. Oh. Oui, mon petit, c'est l'heure de s'amuser. Ah! Tu sais, je cherchais justement une occasion de me détendre. Peut-être que seule une mère pourrait aimer.
Mundo se voudra encore d'une sale vieille comme toi une fois qu'il aura son fils. Lève-toi. Je vais pas vous tuer, toi ou le gamin de Mundus. Du moins, à condition que tu fasses exactement ce que je te dis. D'accord. J'obéirai. Privé de ce gamin, je ne serai plus rien. Alors arrête de pleurnicher. Ça tourne. Merci de nous avoir contactés. Désolé d'avoir mis du temps à répondre. Suite à ton offre, je souhaite faire une contre-proposition. La vie de la fille... contre la vie de ton enfant. Non!